Pour les amateurs de cinéma, bienvenue dans le temps d'une slotch qui présentera les films à ne pas manquer au Cinéma Figaro cet été. Présentement avec Émilie Boulay-Chouinard, directrice au Cinéma Figaro. Salut Émilie, ça va bien? Ben oui, ça va bien, toi Christophe? Super bien, merci. Donc, tu es ici, le temps d'une slotch, pour nous parler des films qui s'en viennent. Qu'est-ce qui s'en vient en juillet au Cinéma Figaro? Ben oui, on vous a un petit peu menti à Info.tvc à la fin de la saison en vous disant qu'on ne reviendrait pas de l'été au cinéma. Ah ah! C'est que le temps de popcorn était terminé, mais là, on est le temps d'une slotch parce que l'été, on boit de la slotch, hein, Christophe? Exactement, il fait assez chaud, là. Oui, donc en juillet, là, gros mois de sortie de films. On va commencer avec, en début juillet, Détestable moi 4. Un incontournable pour les enfants? Bien, les petits et les grands, parce que moi, j'adore autant ça que mes enfants, sinon plus, peut-être. Moi, les mignons, je les trouve bien attachants. Là, c'est l'histoire, en fait, de Gru qui va avoir un bébé. Il va avoir Gru Junior, écoutez donc. Puis là, ben, il va arriver sûrement plein de péripéties à la famille avec un bébé en plus. Là. Ça risque d'être excellent. Ça commence début juillet. Après ça, on va vers les films québécois. Nos belles sœurs, le film, la comédie musicale de René Richard Cyr qui a été adaptée en film avec Geneviève Schmitt, Anne-Élisabeth Bossé. Fait que c'est l'histoire là, qu'on connaît de la pièce de théâtre de Michel Tremblay, de Germaine Lauzon qui collent leur thème là, pour gagner des prix en comédie musicale au cinéma. Ça va être écœurant, c'est sûr, sûr, sûr. Alors, j'invite d'ailleurs les gens à déguisez-vous! Ça, oui, bonne idée. Attends, déguisez-vous en belle-sœur, là. C'est le temps de sortir votre bonnet qui match avec la robe de votre grand-mère, vos arrière-grand-mères que vous avez encore chez vous. Venez-vous-en, vivez le trip jusqu'au bout, là. Ça serait vraiment trippant. On aime ça quand les gens embarquent, là. On a eu ça dessus-dessous qu'il y a des petits jeunes qui sont arrivés déguisés. C'était malade. On adore ça. Après ça, comédie romantique qui va sortir au courant du mois de juillet que j'ai voulu mettre de l'avant parce que c'est avec Scarlett Johansson et Channing Tatum, mesdames. Channing Tatum. Ça s'appelle « Emmène-moi sur la Lune ». Donc, une histoire de à la NASA là, qui s'en vont vers l'espace, mais tout en amour. Tout en romance. Tout en romance. Tornade, hein, que j'avais déjà parlé. Un autre tornade. Donc, il y a 25 ans, ils ont réussi à capter l'œil de la tornade, le milieu. Ça a fait qu'ils ont pu développer une application d'alerte précoce des tornades. Et là, on sait ce qui va arriver, hein? 25 ans plus tard, il n'y a pas juste les humains et la technologie qui évoluent, la nature aussi. Oh! Et fin du mois de juillet, on a le nouveau Marvel, Deadpool et Wolverine, qui seront un duo de feu, je pense. Un film très attendu. Oh, vraiment, moi, je risque d'être assis sagement en attendant la première le vendredi soir quand ça va sortir. Je vois pas comment ces deux-là peuvent être potes. Deadpool et Wolverine, ça risque d'être, tu sais, le solitaire et l'espèce de clown destructeur de Deadpool. Fait que j'ai hâte de voir le matching des deux. Et aussi, un personnage qui comprend qu'il est dans un film et un personnage qui ne comprend pas qu'il est dans un film. Oh mon Dieu, j'avoue, j'avais pas vu ça. Tu l'as pas vu de même, hein? Ça va être écœurant, ça. Ça va être vraiment bon. Film de l'été. Et on finit le mois de juillet avec le film tant attendu québécois, 1995, de Ricardo Troggi. J'imagine que toi, c'est comme un fantasme pour toi, vivre la vie de Ricardo Troggi. Hein? Ces films-là, là, ça a bercé toute ma vie et j'ai tellement hâte au prochain. Ah, c'est sûr. Fait que 1995, Ricardo a 24 ans et il se prépare à faire la course Destination Monde. Et sa mère, le personnage le plus délicieux de toute la série, est encore là. Elle est écœurante. L'actrice qui fait la mère de Ricardo, là, elle crie tout le temps, je l'adore. Et pour vous préparer à ce film-là, je vous invite à vous renseigner sur ce qui était la course Destination Monde. Il y a beaucoup de grands réalisateurs québécois qui ont passé par là. C'est vraiment très important pour notre cinéma québécois, cette course-là. Vraiment. Puis en plus, claquez-vous le 81, 85, 90. Surtout. Ah oui, oui, parce que là, faut se rappeler de où il vient Ricardo, le petit Ricardo. Donc voilà, c'est ce qui s'en vient en gros pour juillet. C'est sûr, il va y avoir plein d'autres films au travers, un peu moins
blockbuster là, qui fait sortir les gens. Fait que c'est ce qui a retiré mon attention pour le mois de juillet. Puis là, ben, je peux vous dire un petit peu ce qui s'en vient en août aussi là, pour vous donner l'eau à la bouche. Donc, en août, on va avoir Piégé avec Josh Arnett. Piège. Un genre de suspense d'horreur là, qui a été visionné là, par des gens que je connais en visionnement de presse il y a quelques mois déjà. Ça a l'air que ça va être écœurant. Ceux qui aiment le genre, on s'entend. Ce n'est pas mon cas. Il va y avoir le film Borderlands qui est avec Kate Blanchett, entre autres, qui est basé sur un jeu vidéo que je ne connais pas, mais qui a l'air très cool, là, genre full les couleurs, tout ça. Là, un peu, j'ai l'impression que c'est un peu un Furiosa Mad Max dans les années modernes, okay. Mettons. En tout cas, c'est ce que je pense. Là. Vous saurez me dire si j'ai mal interprété les choses. Alien Romulus qui sort en août. Un autre Alien, écoute. Un autre film très attendu. En effet, ça va faire sortir les fans du genre et les fans d'Alien en général. Et un film romantique, drame, basé sur les romans très populaires de Colleen Hoover, j'espère que je le dis comme faux, Jamais plus. Donc, ça a été un gros succès. Ah, excusez, là, je vais briser le quatrième mur. La caméraman derrière fait ah, oui, ils ont fait des films sur les livres de Colleen Hoover. Donc, j'ai l'impression que. Justine va aller voir le film, je pense. Plusieurs jeunes adultes, jeunes demoiselles adultes qui vont traîner leur chum pour venir au cinéma vont voir ce film-là. Donc, ça sort en août. Donc, grosse été en vue au cinéma Figaro. Donc, pour avoir tous les détails des dates de sortie et de l'horaire, c'est sur la page Facebook du cinéma Figaro et sur le site Internet.